Bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à être connectés sur TV et à radio de vie et, euh, depuis euh, plusieurs nations. Et actuellement, il y a près de 220. 000 parmi ces pays, il y a l'Arabie saoudite. On a, eu, euh, on a eu pas mal d'informations euh, sur euh, tous ces pays qui euh, suivent les enseignements. Donc, euh, justement, c'est une des raisons pour. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos messages sont traduits aujourd'hui, grâce au Seigneur et à vous tous, hein, vous tous qui êtes mobilisés, donc traduits dans toutes les langues pratiquement. Voilà, que le Seigneur soit béni pour votre mobilisation. Voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous sommes en direct, mes amis. Que le Seigneur soit glorifié, Père, nous te confions cette soirée, soit notre dirigeant, soit notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître. Nous voulons te soumettre toutes nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos Yeshua, à notre Seigneur et Maître. Nous te prions, Adonai, Amen. Voilà. Donc, euh, je voudrais dire un grand merci à notre Dieu pour euh, le soutien qu'il nous apporte. Vous savez, quand le Seigneur donne une vision, il donne les moyens hein, pour euh, l'accomplir, et il se trouve que et euh, il nous a demandé il nous a mis à cœur de faire euh, le mettre en place un centre de formation donc Didasco où les gens seraient formés euh, gratuitement comme le maître l'a demandé. Donc le centre de formation Didasco fonctionne depuis quelques années déjà et il nous fallait des locaux parce que les locaux du 24 où nous sommes présentement sont devenus trop petits et il fallait acquérir d'autres locaux notamment les locaux du 26 du numéro 26 et il nous fallait à peu près il y a 223 000 euros et le Seigneur a pourvu, le Seigneur pourvoit comme d'habitude. Et nous allons signer le 30 septembre prochain pour pouvoir acquérir ce locaux de manière définitive. Et, et comme vous le savez aussi, nous ne voulons pas prendre des crédits parce que Dieu n'est pas le Dieu qui, n'est-ce pas, euh, pousse les enfants à faire des crédits. Et Dieu touche les cœurs, en tout cas que ce nom soit glorifié. Et nous en sommes à 2000 à 215 000 euros à peu près, et il reste juste 1 150 euros, 8 150 euros. 8 150 euros. Le Seigneur est fidèle. Je me rappelle encore, il y a quelques années, quand il nous a fait acheter des locaux de Courcouronne, pareil, et euh, il fallait 86 000 euros, et le Seigneur a donné près de 110 000 euros, et on a pu acquérir ce loco il y a 14 ans et demi. Et dedans, comme vous le savez, on a... Euh, mis notre première épicerie solidaire où des gens viennent se nourrir, viennent se servir gratuitement. Et de temps à autre, on arrive à héberger au moins 10 SDF. Et, euh, et dedans, il bah, y a aussi des formations euh, dans tout ce qui est couture. Il euh, y a aussi, on fait aussi de l'alphabétisation. Et euh, en tout cas, merci, un grand merci au Seigneur et puis à l'équipe euh, du Pain Quotidien. Donc il y a eu des locaux du 24 également, il y a trois ans et demi maintenant quatre ans qu'on a pu acquérir grâce au Seigneur et à votre mobilisation également. Et des locaux qui ont coûté 200 à peu près 20 000 euros et le Seigneur a pourvu, on a pu les acquérir cash. Pareil, les troisième, les trois, les locaux du 26, pareil. Donc en fait je me rends compte que le Seigneur travaille, Dieu travaille de plus en plus. Et je voulais vraiment ce soir dire merci au Seigneur pour cette grande mobilisation et merci aux frères et sœurs qui et euh, se mobilisent. Pour que cette vision se concrétise. Vous savez que grâce à vos dons, nous avons pu, et avec le pain quotidien, cette association, cette association qui s'occupe des pauvres, nous avons pu, nous soutenons grâce à vos prières chaque mois des milliers de personnes. Chaque mois, il y a près de 10 000 euros qui sont envoyés aux différentes structures sociales dans les nations pour aider les pauvres. Donc, euh, comme au Mexique, par exemple, notre orphelin là-bas fonctionne grâce à vos dons. Comme en Haïti, hein. à Haïti, il y a aussi euh, beaucoup d'orphelins sont soutenus au Gabon, au, au Bénin, au Togo, au Congo Kinshasa, dans plusieurs pays. Voilà. Donc, euh, que le Seigneur soit béni pour ce travail, en tout cas, euh, qui se fait. Donc, je voulais vraiment ce soir dire merci au Seigneur et, et merci aux frères et sœurs qui se sont mobilisés. Voilà, l'équipe de TV de vie euh, se mobilise également pour que vous ayez les enseignements, comme vous le voyez. Et c'est des frères et ceux qui travaillent euh, gratuitement, euh, y compris moi-même qui vous parle. Et euh, gloire à Dieu. En tout cas, ma joie est grande de voir cette grande mobilisation. Et euh, Dieu travaille pendant que certains prophétisent la mort de l'œuvre que le Seigneur fait. Eh d'autres sont debout pour défendre la sainte doctrine. Et vous comme vous le savez également. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous ne pouvons pas non plus rester indifférents face à toutes sortes d'atrocités qui sont perpétrées ici et là. Et dans les nations, les Écritures annoncent que c'est des choses qui doivent arriver. Mais bien évidemment, nous sommes là pour euh, dire, tout simplement, informer les, les hommes sur ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais pendant peut-être dix minutes, dix à quinze minutes, euh, nous exhorter sur un, un fait euh, qui euh, et euh, sur un fait bien particulier, bien précis. Et euh, comment faire pour remporter une victoire Comment faire pour remporter et pour mettre en place une vision Une vision que Dieu vous a donnée. Et euh, c'est un conseil biblique que je vais donner à tout un chacun, aussi bien aux chrétiens qu'aux inconvertis. Et hein, donc, euh, et voilà, vous savez, la Bible est un livre qui est rempli de plusieurs principes, des lois. Une fois ces lois appliquées, on voit des fruits. Et même ceux et celles qui décrivent ce livre, qui n'y croient pas, euh, qui pensent que c'est une doctrine importée euh, par la religion romaine, je sais que la religion romaine nous a imposé beaucoup de choses en Afrique, ça nous sommes d'accord, mais je tenais à vous dire que la, le... le la, la vraie foi, la foi chrétienne authentique, n'est pas née à, à Rome, n'a pas commencé à Rome, pas du tout. Et euh, c'est en Israël et non pas à Rome, au Vatican. Alors, un de ces principes-là pour pouvoir asseoir une vision, c'est quoi Il y en a plusieurs. Hein Donc, il y a la sanctification, il y a l'intégrité, il y a l'honnêteté. Tout ça, ce sont des valeurs qu'il faut avoir pour pouvoir asseoir une vision. Je prends un exemple. Le Seigneur m'a mis à cœur, par exemple, de réviser la Bible, comme vous le savez. Il fallait bien sûr une équipe. Parce qu'on peut pas faire asseoir une vision tout seul. Même si on crie, nous sommes seuls, mais il y a toujours des gens à côté, derrière, dans les coulisses qui travaillent et euh, d'arrache-pied, qui font un travail magnifique et qui ne sont pas forcément vus, et qui certainement seront plus couronnés hein, que nous autres, et qui ont peut-être plus de talent que nous autres qui sommes exposés. Mais c'est des gens qui sont là dans l'ombre. Alors pour asseoir une vision, notamment en ce qui concerne la révision de la Bible, il aurait fallu une équipe soudée. Et celui qui reçoit la vision doit être capable de l'expliquer, de l'exposer correctement aux gens. Parce que les gens ne peuvent pas suivre une vision, saisir une vision, euh, s'ils ne la comprennent pas. Donc, il y a un problème avec beaucoup de gens qui ont euh, la vision, des objectifs à atteindre. Tout le monde est visionnaire, tout le monde. Qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, qu'il soit peu importe vos origines, tout homme a une vision. Regardez, par exemple, je veux juste euh, rapidement parler euh, de la vision. Et euh, lorsqu'un enfant vient au monde, vous savez ce que se passe selon les, 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 les scientifiques? Eh ben, il y a près de, il y a plus de 50 millions de spermatozoïdes qui sont, n'est-ce pas, libérés lors d'un rapport entre un homme et une femme. Et sur ces euh, spermatozoïdes, sur ces millions, voire mille, milliards, un seul doit atteindre l'ovule et il y a une course qui s'engage dès la sécrétion est pas, des spermatozoïdes. Il y a une course qui s'engage entre ces millions de spermatozoïdes et l'ovule sécrète un liquide très toxique qui tue plusieurs spermatozoïdes. Et donc il faut, euh, n'est-ce pas, slalomer, éviter euh, ce liquide très toxique. Et le premier spermatozoïde qui arrive à atteindre l'ovule, qu'est-ce qu'il fait Ben, quand il arrive à percer hein, la paroi, il rentre dedans et il ferme la porte pour ne pas que les autres y entrent. Et c'est comme ça que les autres meurent. Et celui qui va atteindre l'ovule, il va là, n'est-ce pas Il va euh, euh, féconder ce, cet œuf et l'enfant va euh, euh, se développer dans cette matrice, dans cet organe pendant neuf mois. Et ensuite. Cet enfant qui vient au monde est un visionnaire, qu'il soit converti ou pas. C'est un visionnaire parce que déjà, il a remporté une première victoire dans le ventre. Et quand il va naître, cet enfant, il va être élevé par des parents qui vont lui, n'est-ce pas, inculquer un certain nombre de valeurs, des choses. Ils vont lui donner une éducation. Et il va être, en fonction de son éducation, il va être un grand visionnaire ou un petit visionnaire. Il y en a, ils vont vouloir faire, bien sûr, euh, du foot. D'autres vont vouloir être médecins, d'autres pilotes d'avion. Euh, d'autres, je ne sais pas, ils vont vouloir être maire d'une ville. Et euh, ils, Chacun a une vision. La vision motive, la vision encourage. Celui qui n'a pas de vision, il finit par mourir. C'est pour cela les Écritures nous disent dans Proverbe 28, 29, verset 18, que quand il n'y a pas de révélation, de vision, le peuple périt, le peuple meurt. Et le problème de, 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 de nos églises aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs visionnaires. Il y a des pasteurs visionnaires du ventre, avec une vision ventrale. Il y en a qui ont une vision juste pour coucher avec des femmes. Ils se servent de leur succès pour attirer d'autres femmes, pour accaparer des femmes, pour détruire. Vous avez des gens dans le monde, des ministres, des présidents, des autorités, des rois qui, n'est-ce pas, n'ont pas une vision véritable. Ils ont une vision, mais une vision euh, égoïste, personnelle, individuelle. Ils vont amasser, 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 ils vont mourir comme des fourmis et ils vont tout laisser. Il n'y a pas de vision. Alors, un vrai visionnaire doit avoir des valeurs, doit avoir des principes. Donc, comme je disais, le Seigneur me met à cœur de faire cette révision de la Bible. Donc il fallait rassembler une équipe, des gens fidèles, ayant des qualités. Donc, dans le choix des équipiers, il faut éviter la compromission. Il faut éviter de faire, n'est-ce pas, de, 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 de choisir les gens de manière charnelle, parce que. Une seule personne dans l'équipe qui n'est pas, qui n'a pas une bonne vision peut détruire la vision. Peut freiner la vision. Donc là, le choix des équipiers est très important. Très important. Parce que ce sont les gens qui, à qui la vision est expliquée, qui vont la comprendre, qui vont la propulser, qui vont la mener jusqu'à terme. Et à la mort du visionnaire, ce sont ceux et celles qui ont reçu la vision, qui vont la continuer. D'ailleurs, on saura que vous êtes un grand visionnaire, non de votre vivant, mais après votre mort. Parce que si votre vision meurt avec votre mort, c'est que vous n'êtes pas un visionnaire, c'est que vous avez échoué. Donc le visionnaire est reconnu des années après sa mort, parce que sa vision doit continuer. C'est pour cela que, dans le monde, vous avez des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont créé des entreprises, cent ans après, ces entreprises continuent à fonctionner. Je ne parle pas de la prospérité financière, je parle de la vision. Et cent ans après, l'entreprise continue à fonctionner. Vous allez voir les enfants, les enfants continuent à perpétrer la vision. Vous avez des entreprises suisses, allemandes qui existent depuis 1800, 1800 quelque chose. Et les enfants, les enfants continuent à travailler, à perpétrer la vision. Et le problème avec beaucoup de nos frères, beaucoup d'hommes aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'il n'y a plus de visionnaires. C'est un problème de vision. Il n'y a plus de vision. La vision que les gens ont beaucoup là, c'est quoi C'est le ventre, comme je le dis, le ventre ils s'attendent ils attendent à avoir le pouvoir pour s'enrichir. Leur vision c'est quoi Eh ben si j'arrive au pouvoir, si je deviens pasteur, si je deviens apôtre, eh ben je veux pouvoir avoir toutes les femmes que je ne pouvais pas avoir avant. Je veux pouvoir euh, détruire les gens qui euh, euh, qui, qui n'arrivaient pas, à, qui m'ont insulté, qui m'ont combattu hier. Vous voyez une vision de vengeance. Alors un vrai visionnaire comme je vous disais doit être quelqu'un qui fait un bon choix qui choisit correctement ses équipiers. Prenons l'exemple du visionnaire le plus grand, Jésus-Christ, qui est reconnu même dans toutes les religions. là. Jésus-Christ est, même si les gens ne le reconnaissent pas toujours comme le Dieu véritable, mais néanmoins, il faut dire quand même que c'est un grand maître. Prenons un exemple. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 6, la parole nous dit qu'il va choisir ses partenaires. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Or, il arriva en ce jour-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand il fut, quand le jour fut venu, hein, venu, il appela ses disciples, et en ayant choisi douze d'entre eux, et il les nomma apôtres. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va passer toute la nuit dans la prière. Pourquoi? Pour avoir le discernement, Jésus-Christ est homme, pour avoir le discernement nécessaire qui allait lui permettre de faire le bon choix des hommes avec qui il allait marcher, qui allait poursuivre sa vision après son départ. Il passe toute la nuit. Donc toute la nuit, ça veut dire qu'il a passé 12 heures en prière. 12 heures. À prier Dieu. De 18 heures au lendemain 6 heures. 12 heures. Pourquoi? Parce que il allait choisir 12 apôtres. Donc il a passé une heure devant Dieu. Il y a un choix homme, hein? pour un disciple. Deux heures pour deux disciples. Douze heures pour douze disciples ou douze apôtres. Et la Bible nous dit qu'est-ce qu'il va faire le lendemain? Et il va, parmi les disciples, il va choisir les apôtres. Donc, avant de choisir les apôtres, il a d'abord fait des disciples. Et Luc, chapitre 6, 40 nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Parce que ceux qui vont perpétrer la vision, ce sont les disciples. Ceux qui vont faire continuer la vision, faire en sorte que ta vision soit, n'est-ce pas, permanente, continuelle. Ce sont les disciples que tu auras formés. Des gens qui ont compris ta pensée, la pensée que tu as, que tu veux développer, et qui vont la partager par la suite. Et dans le cadre de l'œuvre du Seigneur, ces disciples, ce ne sont pas les disciples des hommes, bien sûr. Ce sont les disciples du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, et ce sont eux qui vont continuer l'œuvre du Maître, c'est-à-dire l'œuvre de Yeshua. Donc, le choix des personnes avec lesquelles vous allez travailler, vous qui avez une vision, hein, peu importe votre vision, il faut que le choix des personnes qui vont vous accompagner soit fait correctement. Pas des gens, c'est des gens avec des qualités, pas des gens cupides, pas des gens corruptibles. Parce que, aussi bien dans les nations que dans les églises, si vous avez des gens qui travaillent avec vous pour faire asseoir votre vision, si vous avez parmi ces gens, vous avez des gens cupides, corruptibles, ils vont vous tuer. Ils vont vous vendre. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai connu. J'ai connu des gens que j'ai formés, comme vous le savez, qui est autour de moi, et qui ont, il y en a qui ont, qui m'ont mis du poison deux fois. Attendant ma mort pour pouvoir continuer le travail, mais en se servant de l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi. Donc je prends un exemple, comme je le disais, le Seigneur me demande de faire la révision de la Bible. Il fallait des, 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 des gens de qualité. Et le Seigneur a donné les moyens, comme vous avez pu le faire, en tout, on a eu à l'époque près de 470 000 euros. J'ai dû faire une émission en direct pour dire aux gens ne donner plus l'argent, on a assez d'argent pour sortir des Bibles et pour acheter le bâtiment du 24. Mais imaginez s'il y avait des gens, il y avait des gens parmi, parmi, parmi nous, bien sûr, qui étaient cupides et qui voulaient qu'on partage cet argent, comme beaucoup de pasteurs, comme beaucoup de prédicateurs qui voulait qu'on partage. Et je dis aux gens qui étaient là, on ne prendra même pas un euro. Et David, mon frère qui gère les finances, qui est un homme intègre, que Dieu le bénisse, eh ben, il a géré les finances correctement. Et ceux qui voulaient qu'on partage cet argent, ils en parlaient dans les coulisses. Et je leur ai dit, si vous continuez, si vous, celui qui viendra me voir pour me dire de prendre l'argent du Seigneur pour leur donner, alors que c'est destiné à quelque chose de précis, eh bien, je veux le dénoncer à la télé, à la télé en direct. Donc, ils se sont calmés. je dû m'en séparer. Voilà pourquoi j'ai personnellement eu beaucoup de séparations avec des gens. Et euh, à cause Souvent, c'est à cause de l'argent, le matériel. Parce qu'il y a une vision. Et pour que qu'une vision soit développée, il faut les, le matériel, il faut l'argent. Il faut les moyens utilisés dans le monde pour que la vision se développe. Mais si vous avez des gens qui ont une vision ventrale, qui veulent manger, qui veulent rouler dans des gros caisses, grosses voitures et, et, et qui n'ont pas une vision à long terme, ben, la vision ne va pas germer. Et vous avez des visionnaires qui avaient une bonne vision, des bons objectifs. Mais ils ont eu des mauvais équipiers, des mauvais équipiers hein, et qui ont détruit tout, qui les ont même empoisonnés, qui les ont tués. Donc, et, euh, autre, il y a des principes. Hein, donc, parmi les principes pour asseoir une vision, l'un un des premiers pr principes c'est le choix des collaborateurs. Il faut le discernement. Donc, un des principes c'est le, le, le discernement. Il faut discerner qui est qui, parce que celui qui va te trahir, il ne viendra pas de loin. Il viendra de, à côté, il sera à côté. Comme Judas, il a trahi le Seigneur pour combien de pièces? 30 pièces. Aujourd'hui, dans nos pays, s'il y a beaucoup de gens qui sont empoisonnés, beaucoup de gens qui meurent, s'il y a des gens qui ont quitté leur, ils ont abandonné leur, leurs idéaux, leurs visions, c'est à cause de l'argent. Pour quelques billets, quelques euros, quelques dollars, ils vont, n'est-ce pas, euh, baisser, excusez-moi du terme, baisser leur culotte. Ils vont vendre leurs frères et sœurs, vendre leur pays, euh, détruire les âmes pour quelques billets de banque. C'est des gens qui n'ont pas de caractère. Il faut des hommes et des femmes de caractère. Vous voyez C'est important. Donc quand je parle de, euh, du discernement, de l'intégrité, de l'amour, la, de la, de ce sont des caractères en fait. Donc un des principes qu'un qu visionnaire doit avoir, c'est le caractère. Beaucoup de visionnaires manquent de caractère. Devant une femme, ils ne tiennent pas. Ils vont baisser leur culotte. Ils vont tomber facilement, comme Samson, comme beaucoup d'autres. Mais un homme, un visionnaire qui va de femme en femme n'ira pas loin dans sa vision. Parce que Satan enverra une femme pour le détruire. Et si on sait que tu es faible sexuellement, on va t'envoyer une femme qui pourra te détruire, qui pourra t'empoisonner, qui pourra te faire chuter. Donc il faut que le visionnaire soit imputrescible, intransigeant par rapport au sexe. Ça, c'est une qualité que beaucoup de gens n'ont pas, malheureusement. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs, même beaucoup de dirigeants des de nations, des maires, des ministres, de, de, des autorités, beaucoup n'ont pas. On peut facilement les faire tomber par, on leur envoie des petites filles comme ça, et ça tombe, ça baisse la culotte. Vous allez voir des papas, des hommes de 70 ans, de 60 ans, 50 ans, qui vont faire la cour à des jeunes filles de 16 ans, 15 ans, qu'ils soient ministres, qu'ils soient pasteurs, c'est la même chose. J'en connais des pasteurs qui ont, qui courent après des jeunes femmes. Il y en a une, la dernière fois, elle est venue, c'est 14 ans excusez-moi du terme mais sodomisé huit fois par un pasteur qui a plus de quarante ans père de plusieurs enfants huit fois comment voulez-vous que ce pasteur puisse atteindre les objectifs que dieu lui a assignés si c'est véritablement le seigneur qui l'a appelé? donc il faut le caractère. Il y a le choix de discerner un des principes, donc le discernement, il faut le caractère. Dans le caractère, il y a le discernement, il y a l'intégrité morale, il y a la, comment dire, la sanctification, il y a la crainte de Dieu, il y a l'amour. Parce que vous ne pouvez pas aider les gens si vous ne les aimez pas. Il faut avoir l'amour des personnes vers qui l'on est envoyé, des gens que l'on veut aider. Il faut les aimer. Frères et sœurs, la vision. Donc Jésus a passé du temps pour Choisir, j'ai fait des erreurs dans le passé dans le choix de mes collaborateurs, de mes, mes collaborateurs, oui. Parce que quelqu'un qui venait qui parlait en langue, qui prophétisait, qui manifestait le désir de, de faire le travail, je disais bien, viens, on va travailler. Et j'ai eu malheureusement, c'était j'étais encore très jeune à l'époque hein, à faire des de jugements, des de mauvais choix par mes jugements charnels. <laughs> j'ai déjà demandé pardon devant tout le monde, euh, voilà, à plusieurs reprises. Et Dieu, je pense qu'il m'a pardonné parce qu'on était encore jeune, on apprenait. Hein. Donc, dans le choix que j'ai eu à faire, ben j'ai eu des pasteurs impudiques, des pasteurs voleurs, tout ça là, et on sait tout ce que ça a donné après. Et la vision avait pris du retard. Heureusement que le Seigneur a restauré. Maintenant, quand le Seigneur m'a dit choisis les gens avec qui tu vas marcher, ne te... un jour Dieu m'a dit que personne ne t'impose son amitié. C'est à toi de choisir les gens avec lesquels tu vas marcher, mais ne laisse plus les circonstances où les hommes t'imposer leur collaboration. C'est à toi, devant moi, de prier et de choisir. C'est important. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a des gens qui avaient bien commencé, mais parce qu'ils ont fait des mauvais choix des gens, par rapport aux collaborateurs, ces collaborateurs impies, mal intentionnés, les ont sortis de la vision initiale. Vous voyez C'est important, les choix. Les grands révolutionnaires ont eu à choisir les hommes et les femmes avec lesquels ils devaient marcher. Et parmi les grands révolutionnaires, vous avez le plus grand, c'est Yeshua, notre maître. voyez Aujourd'hui, Jésus-Christ, 2000 ans après, il est mort et ressuscité. Mais on parle encore de ses œuvres. On parle encore des écrits de Paul, des écrits de Pierre, tout ça là, de Jean. C'est des gens qu'il a eu à former. Pierre, Paul, c'était après sa mort, bien sûr, après sa résurrection que le Seigneur s'est révélé à lui. Mais Pierre, Jacques, Jude, c'est des gens que le Seigneur a formés. voyez C'est important la transmission de la connaissance. Le problème de beaucoup de visionnaires, c'est que n'ont pas des gens qui vont se succéder à eux, des gens qui vont, n'est-ce pas, continuer la vision, parce qu'ils ne forment pas, parce qu'ils ne préparent pas la génération future. Tout ça là, il faut du, il faut des hommes de caractère. Donc le choix des collaborateurs. Autre chose, hein, j'ai juste quelques minutes qui me restent là. Et euh, donc une vision pour être, pour qu'elle soit euh, euh, développer, euh, concrétiser, il faut des principes. Un des premiers principes, c'est bien sûr l'intégrité, le discernement, tout ça là. Et euh, par la suite, et en gros, il faut du caractère. Donc, dans le caractère, je vois l'âme, je vois le cœur. Il faut que le dirigeant, le visionnaire, soit un homme ayant un cœur. Qui ne cède pas à la tentation, à la pression, qui ne cède pas à la séduction des femmes, qui ne cède pas à la séduction par rapport à l'argent. Et il faut choisir les gens avec lesquels on veut marcher. Ne laissez personne venir vous imposer ses services. Autre chose, il faut, en tant que visionnaire, chacun est visionnaire dans, 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 euh, à son niveau, hein, chacun est visionnaire dans les enfoyers. Dans vos projets de commerce, dans vos projets de construire une maison, dans vos projets d'études. Vous êtes visionnaire vous-même, jeune homme. Tu es visionnaire de ta vie par rapport à tes études. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, c'est à toi de choisir à l'école avec qui parler, avec qui marcher. C'est à toi de choisir à l'école avec quelle personne marcher, avec qui parler. C'est important parce que tes choix par rapport aux amis, Hein, tes choix vont déterminer ton futur. Et euh, les Écritures nous disent dans le Proverbe celui qui traîne avec les sages devient sage. Vous voyez C'est important. Et euh, autre chose, dans une vision, étant donné que vous êtes appelé en tant que visionnaire à travailler avec deux ou trois, quatre personnes, il faut éviter tout ce qui est division. Parce que le Seigneur nous dit un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas avancer et on sait tous comment Satan aime travailler, il aime bien diviser pour mieux régner. Un peuple divisé entre contre lui-même. Un peuple, je prends un exemple, vous avez un pays composé de euh, plusieurs régions avec plusieurs cultures différentes. Et imaginez ce pays si ce pays est combattu, attaqué sous occupation. Eh ben le peuple de ce les peuples parce qu'il y en a plusieurs. Hein, vous avez en fonction des régions. On, je prends l'exemple de la France. Il y a les Bretons, tout ça. Il y a ceux du Nord, hein, il y a ceux du Sud. Et euh, donc, imaginez maintenant si on commence à se diviser. Les Bretons d'un côté, les Sudistes de l'autre. vous Voyez, eh ben l'ennemi va régner. Eh ben c'est comme ça que Satan procède pour qu'une vision ne soit pas concrétisée. C'est pour ça que le visionnaire doit être au-dessus de toutes ces considérations culturelles, ethniques, tout ça, pour amener les gens à, 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 à travailler dans une vision collective, une vision globale. voyez Comme Paul le disait dans, dans Galates chapitre 3, on va le lire. En fait, c'est les principes que Jésus-Christ a enseignés pour que son royaume fonctionne. Voilà. Galate 3, 28. Qu'est-ce qu'il dit Verset 28. Il n'y a ni il n'y a plus, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus Christ. Wow. Donc je peux dire aujourd'hui Il n'y a plus, il ne doit pas y avoir dans une vision hein, les Luba donc c'est une ethnie congolaise, les Congo, les Luba d'un côté, les Congo de l'autre, hein, les, 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 les Ngala de l'autre. Et euh, les, les, les Choylis de l'autre, tout ça là. Et si vous êtes un visionnaire, si vous voulez aider une nation, aider un pays, aider une ville, avec toutes ces valeurs, les valeurs euh, euh, d'amour, euh, d'unité, euh, de sainteté, d'intégrité, de, en gros les valeurs chrétiennes que Christ nous a enseignées et Écho nous a enseignées, eh bien, il faut être au-dessus de toutes ces considérations ethniques, tout ça là, raciales. C'est important. Et c'est ce que Dieu m'a enseigné dès le départ, de la euh, quand j'ai commencé l'œuvre en 99, il m'a dit. Tout de suite, pas de chants en lingala parce que je veux envoyer des nations. Ça, c'était d'abord pour poser la fondation pour que les Congolais qui allaient venir ne se disent pas comme le frère est français, mais d'origine congolaise, donc on va maintenant se comporter comme des Congolais. Et d'emblée, je leur ai dit non, les chants en Lingala, pas tout de suite, peut être un jour, mais pas tout de suite, parce que je veux que les Européens, euh, des Blancs qui vont venir, des Arabes qui vont venir, euh, les Chinois qui vont venir se sentent chez eux ne se disent pas, eh ben nous ne sommes exclus. Non. Après, chacun pourra chanter dans sa langue, il n'y a pas de problème, on est, on est libre en Christ. Mais pas tout de suite. Il une vision claire. Et Ce qui fait que les gens qui venaient se sont sentis chez eux, effectivement. Et c'est pour ça la grâce du Seigneur, vous allez voir, nos livres, notamment les livres que le Seigneur me fait écrire, il y en a plus de 15 aujourd'hui, grâce au Seigneur, mais il y en a quatre ou cinq qui vont sortir encore, sont traduits en chinois par une chinoise, en arabe par des arabes, en anglais par des anglais. Euh, en allemand par des allemands, dans plusieurs nation, nations, en roumain par des roumains, et euh, dans plusieurs langues, en lingala par des lingalaphones, tout ça. Là, parce que chacun se dit, toutes ces personnes se disent, eh ben nous nous retrouvons dans cette vision euh, qui est biblique, bien sûr. Je ne dis pas, c'est une vision délimitationnelle, il faut venir ici, c'est pas ce que je dis, mais une vision biblique. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Voilà. Et on va privilégier quoi Les talents. Parce que ce que tue les gens, ce que tue beaucoup de gens qui veulent diriger même des pays, c'est que quand ils arrivent au pouvoir, ils vont prendre que les gens de leur ethnie, ils vont les nommer à des postes à responsabilité, alors que c'est des gens qui n'ont pas de qualité, parce qu'ils sont comme eux, ils parlent leur dialecte, ils vont les mettre à des postes alors qu'ils n'ont pas de qualité. Et ceux qui sont les, qui ont des qualités requises, ben parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie, on les, ex les exclut. C'est ça qui tue nos pays, notamment en Afrique. C'est ça l'erreur. Et tant qu'on ne sera pas délivré de cette il dit aussi, Eh bien, vous pouvez avoir une grande vision, mais vous allez, elle va mourir dans l'œuf. Vous savez, je vais vous dire une chose avant de finir. Vous savez, sur les douze apôtres que Jésus-Christ avait, un seul était de la même tribu que lui. Vous savez lequel c'est Judas, celui qui l'a trahi. Judas, Iscariote. Iscariote hein, était une des villes de Judas. Or, Jésus-Christ était, oh, Yeshua, homme, était de Judas. Et les onze étaient de Galiléens, donc une autre région. Vous voyez Et qui c'est qui l'a trahi Eh bien, c'est celui qui était de la même tribu que lui. Donc, mes amis, ça, c'est des conseils pratiques que je vais vous donner, vous qui voulez asseoir une vision. Vous êtes noir, vous êtes blanc, ne choisissez pas forcément les gens comme vous. Choisissez les gens en fonction de leur qualité. Qualité morale, de leur capacité. Et c'est alors que vous allez voir le travail du Seigneur avancé. Je me rappelle, quand le Seigneur m'a commencé, commencé à me faire faire des réunions de réveil, j'avais confié la gestion de l'argent euh, des offrandes à une sœur congolaise. Et des congolais, allaient, des pasteurs congolais que j'ai formés allaient de voir, la voir pendant la fin des réunions pour prendre l'argent. Un jour, elle me dit, il y a tel pasteur qui est venu qui m'a pris, qui a pris 15 euros. Tel autre pasteur qui vient qui prend l'argent. Elle dit, moi, j'en peux plus, j'ai la pression. Le Seigneur me dit, il faut donner ça à un Européen. Et j'ai donné ça à David, la gestion des finances. Regardez comment le travail se fait. Et plus un Congolais ne va le voir pour demander quoi que ce soit. Il y en a un qui avait osé le pasteur, un pasteur, et bien ça a été réglé vite fait. Et depuis c'est fini. L'argent est réglé, réglé correctement, géré correctement. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, en moins d'un an, à peu près, vous avez pu donner, vous qui nous suivez, plus de, de euh, 200 000 euros. Hein Donc au point où on est en train d'acheter le 26 parce qu'il y a une vision derrière, et vous voyez, l'argent est bien géré. Et à chaque fois que la David me fait le compte rendu, je me dis, mais Seigneur, mais quand est-ce qu'on a tout cet argent-là Et comment il gère cet argent correctement comme ça c'est ça. On a vu sa qualité. On ne s'est pas arrêté sur ses origines. Il est européen, mais il a des qualités par rapport à la gestion. Et on confie ça. C'est ça l'œuvre. C'est pour cela que grâce au Seigneur, aujourd'hui, en moins de 20 ans, le Seigneur a permis que, à ce que des associations qui s'occupent des orphelins soient créées dans le monde entier. Des épiceries qui nourrissent des gens, des milliers de gens soient mises en place partout, partout. Des orphelinats, des écoles, même écoles, écoles comme au Gabon, maternelle, tout ça. Bientôt, ça va être le lycée, collège, lycée, université. Et il y a une autre vision que Dieu me met à cœur, c'est de mettre en place des écoles chrétiennes, mais écoles, écoles, lycées, tout ça là, notamment au Congo RDC, hein, de, la, de la maternelle jusqu'à l'université, tout ça, parce que ce qui manque, c'est l'éducation. L'éducation. L'éducation, c'est la, la richesse que Satan détruit d'abord dans un pays. Pour que les gens n'aient plus de vision, c'est ça le problème. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous garde. L'heure grave et euh, Yeshua revient. Mais la plus grande vision que nous avons, c'est la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Et euh, donc, je voulais juste vous donner quelques conseils pour asseoir correctement la vision que vous avez reçue dans ce que vous voulez faire. S'il n'y a pas de vision, vous allez être dans la dépression, vous allez être dépressif. Parce que sans vision, on ne voit pas, on ne va pas loin. La vision motive, la vision encourage, la vision motive les équipiers. Quand les équipiers ont compris la vision, quand on leur expose correctement la vision, ils sont motivés. Dans, on va lire un, passage, un dernier passage dans Actes chapitre 16. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce que la vision La vision se définit comme de l'influence. Une vision, c'est l'influence influencer les gens positivement, hein, bien sûr par ta vie, par ta vie de sainteté, par ta moralité, par ta manière de t'exprimer, par ta manière de t'habiller, par ta manière d'être. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller pour séduire. Non, c'est ce pas ça. Je dis bien un visionnaire qui va s'habiller léger, qui va s'habiller sexy, qui va mettre son, son corps euh, euh, dehors. Qu'est-ce qui, qu qui va inspirer comme vision aux gens Vous voyez Honnêtement. C'est pour ça que les Écritures nous disent qu'il faut s'habiller décemment. Donc je parle de la décence, je ne parle pas d'une tenue bien, bien particulière. C'est ce n'est pas ça. Actes chapitre 16. Regardez à partir du verset 7. Euh, verset 6. Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent ensuite la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Paul eut une vision. La vision n'est pas donnée à deux personnes en même temps. Non! Ça, c'est une vision à deux têtes. Ça va amener des conflits. La vision est toujours donnée à une personne. Et la personne va maintenant l'expliquer aux autres. Moïse a reçu une vision pour le tabernacle. Élie a eu une vision. Il a transmise à Élisée. Tout ça. Moïse l'a reçu, il l'a transmise transmis à, 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 à Josué. Paul, ici, reçoit une vision. Pourquoi Parce qu'avec ses équipiers qu'il avait choisis dans la prière, il tâtonnait. À un moment donné, à un, moment de, un temps de tâtonnement. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Eh bien, il faut une vision. Et vous avez vu ici, Dieu a donné une vision à Paul. Et Paul nous dit, regardez, pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un homme macédonien se présenta à lui et lui dit en le en suppliant, en suppliant, passe à Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Donc Paul a eu une vision, mais les équipiers se sont dit, c'est nous tous qui allons travailler. Voilà. Seigneur, sauve nos nations, nos pays, nos églises. Envoie-nous des hommes et des femmes qui ont une vision claire. Regardez Joseph, il a une vision, il a vu de loin qu'il allait avoir une famine de 7 ans en Égypte et il était prévoyant, il a mis de côté de quoi pour passer ces 7 ans de souffrance, de sécheresse. Euh, voilà. Et il nous faut des visionnaires comme ça, mes amis, aussi bien dans nos églises que dans nos pays. Il y a un manque criant des visionnaires. Et ceux qui ont une véritable vision, on les tue. On les enferme, on les emprisonne. Et ceux qui ont une vision du ventre, ce sont eux qui portent des titres, des bishops, pasteurs, apôtres, ministres, préfets, rois, tout ça. Là. Donc l'intégrité, aimer les gens pour qui on travaille. N'oublions pas que le visionnaire est au service des hommes. Il sert les hommes. C pas, et non l'inverse. Il doit être un serviteur au service des hommes prêts à les nourrir, prêts à les aider, à les encourager, à les, à les pousser à aller de l'avant, et non à se, à se faire servir comme c'est le cas dans nos pays. J'ai suivi un jour un reportage dans un pays, je crois que c'était en, euh, en Scandinavie, et euh, je crois que c'est la Norvège, des ministres, ministres du monde, hein, qui n'ont même pas de garde-corps. Qui prennent le train comme tout le monde qui, 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 qui attendent le bus comme tout le monde Je dis, Seigneur, ils sont païens. Ils sont simples comme ça. Mais aujourd'hui, nos pasteurs, il faut porter leur Bible. Pour les voir, il faut de garde-corps. Mais on est dans quel monde Alors, nos ministres, on n'en parle même pas, surtout au Congo, mon pays d'origine. Alors, ils aiment tellement les titres. Hein, son Excellence, euh, son, son, son Excellence. Comment voulez-vous qu'après... C'est grave, l'heure est grave. L'heure est grave et je continuerai à parler, à dénoncer les exactions. Bientôt, je fais une autre émission pour vous montrer le nombre de massacres qu'il y a eu dans le Kasai, des enfants qui sont massacrés. Je crois que d'ici à lundi, si Dieu permet, on va faire une autre émission pour vous montrer ce qui se passe. Et la question que je me pose, où sont les visionnaires du Congo Où sont les ministres visionnaires Où sont les visionnaires Eh bien, ils sont tous dans le sexe, l'argent, franc-maçonnerie, Rose-Croix, tout ça. Vous allez voir des enfants qui sont massacrés et il y a quand même.. Des pasteurs qui n'osent pas parler, des enfants sont massacrés, et vous avez des gens qui dansent encore, qui veulent faire la fête. Un peuple qui n'a plus de vision, qui n'a plus de visionnaire. Un peuple qui va à l'abattoir. Vous n'allez pas me tuer, je parlerai. Vous n'allez pas m'atteindre, parce que ma mission n'est pas finie. Celui que je sers est au-dessus de vos, vos sorcelleries. Mais je sais simplement que cette année ne finira pas. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au Congo RDC. Au nom de Yeshua, Car Dieu me l'a dit. La route tourne. Que Dieu soit béni, mes amis. Bon courage, bonne vision et bonne continuation. Ne baissez pas les bras à cause de la persécution. D'ailleurs, une vision, pour qu'elle soit matérialisée, elle doit être d'abord rejetée, combattue, et elle devient une évidence. C'est-à-dire, les gens n'ont plus le choix que de dire c'est la vision du Seigneur. Voilà. On a combattu Paul, on a combattu Pierre, on a combattu le Seigneur lui-même, et aujourd'hui, eh ben, les premiers chrétiens étaient combattus, non? Rejetés, combattus aujourd'hui. <laughs> mes amis, il euh, y en a qui sont combattus toujours, attention, les vrais. Y a les vrais. Mais néanmoins, en France, par exemple, nous avons quand même cette possibilité de pouvoir annoncer l'évangile, mais il fut un temps où beaucoup de chrétiens, notamment les protestants, étaient persécutés, exé 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 exécutés. Donc vous voyez quand même qu'aujourd'hui, il euh, y a des pays quand même où l'évangile est accepté, hein, même pas, pas toujours dans son intégralité. Que Dieu vous garde, mes amis, à bientôt, au revoir. Thank <laughs> you.